La communauté algérienne de Tours salue le geste courageux du président de la République. Mercredi dernier, vous le savez, François Hollande a reconnu la répression du 17 octobre 1961. À Tours, hier, ils étaient une quinzaine à se réunir en mémoire des victimes. On écoute le président de la communauté musulmane de Tours-Val-de-Loire. Je crois que l'Algérie et la France ont besoin de travailler ensemble, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, pour développer la région. Et disons que l'Algérie et la France ont un grand rôle à jouer au sud de la Méditerranée. Et ça ne peut se faire que si les deux pays parlent de la même voie et dans le respect mutuel.